Montpellier, ce dernier kilomètre, on l'a dit tout à l'heure, hein, pour rappel, gauche, droite, gauche. C'est pour ça que ça accélère, hein. C'est pour tourner à gauche, attention là. Ça avec frotte ses très fort. Derrière sur le côté en plus. Marine Vandenberg qui n'a plus qu'un coéquipier devant lui. Ils sont un petit peu débordés là, les Soudal Quickstep. Ouais. Toujours un échec d'arrêt à retourner. Le voici ce virage, il va falloir bien négocier cette route humide. Passage sur la bande blanche. Avec la formation IF Education Easy Post aux avant-postes. Deux coureurs pour la Movistar, Max Kunter et Ivan Garcia Cortina, hein, l'Allemand qui a perdu le sillage de l'Espagnol Binyam Garmey en deuxième position. Ça va anticiper pour la formation des Émirats Arabes Unis sur la gauche avant le passage pour ce virage. C'est tendu, hein. C'est passé en tout cas. Avec Patrick Conrad qui est là pour la formation Bora-Hansgrohe. Le team UAE qui va lancer Marine Vandenberg en deuxième position, idéalement placé. Binyam Garmey un petit peu plus loin. Ethan Vernon enfermé. Axel Zinglier qui essaye de remonter. On est déjà dans les 50 derniers mètres avec Marine Vandenberg. Ce dernier virage, Binyam Garmey qui va être bloqué. C'est Marine Vandenberg pour la formation IF Education Easy Post qui va lever les bras. Troisième position pour Binyam Garmey. La formation. Cette route humide encore plus. On le voit, Rui Oliveira qui tente d'anticiper. À ce moment-là, on se dit que pour la formation Intermarché, ça va aller. Max Kunter qui prend le virage un petit peu large. Axel Zinglier qui tente de remonter là sur la gauche de la route. Kunter qui va se faire enfermer. Contre qui il peste, Axel? Télos. On l'a arrêté. Tell us your feeling after the sprint. Tell us what happened really to you. I mean, in the end, we don't sprint, we just come. It's for the future, we don't need to see like this corner, you know, just like left, right, especially with this weight road. I mean, for myself, I don't do sprint, so. How do you feel? What did you learn about your condition at the moment today? I mean, finally, I'm quite happy with my shape. I'm feeling better, especially with my team. We have really good contact and good atmosphere. Everybody's super motivation with yesterday victory also, even with today's shape. And yeah, I'm quite happy. Thank you very much. Thank you.